tous. Un petit quart d'heure lyonnais, jeunassien de retard. Je vous propose, on a un petit programme. On va commencer tout de suite par la diffusion d'un clip qu'on a réalisé, non pas seulement avec des personnes d'Uni pour Jeunesse, mais avec des jeunassiens qui ont bien voulu se prêter à l'exercice. Donc il y en a certains qui sont dans la salle, des petits jeunes, des moins jeunes, donc nous les remercions. Et on tenait à démarrer cette réunion Uni pour Jeunesse avec ce clip. Donc let's go. Là c'est le problème technique, non ? S'y va ? Je sais meubler aussi, si vous voulez. Donc, ce n'est pas notre première réunion, donc on a décidé de faire plusieurs réunions. On en a fait une à Ratabizet, une à la salle Saint-André, une à la salle des Genêts, et puis celle-ci, le bouquet final, à la salle Jacques-Anti. You can't know me.
Donc merci à tous. Donc c'était pour introduire cette soirée. Donc une soirée à vocation jeunassienne, comme vous l'avez vu. Donc nous sommes vraiment tous jeunassiens. Et surtout, je voulais remercier ce soir toute l'équipe, toute mon équipe Unis pour Jeunesse qui est là ce soir, qui a fait la campagne avec moi et qui a fait ce clip et qui vous a donné toute cette bonne humeur. Et ils sont là. Toute mon équipe est là. Merci. Donc toute l'équipe Unis pour Jeunesse est ici, on est capable de faire quelque chose comme ça, du Hollywood, pratiquement, avec des tout petits moyens. Merci à tous et on va pouvoir commencer. On peut les applaudir. Merci. Je vais attendre qu'ils redescendent avec moi. Déborah qui nous a fait cette magnifique présentation, ce magnifique happy là. Donc c'est Déborah qui a été la personne qui nous a aidé pour faire ce film. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont sur le film. J'attends encore un petit peu, comme ça vous verrez toute l'équipe de plus près. Ils seront tous là. Bonsoir à tous. Merci à vous tous, jeunassiens, d'être venus ce soir si nombreux pour nous écouter. Merci beaucoup d'être tous ici. Pour vous informer, pour soutenir le programme de la liste Unis pour Jeunesse. C'est notre quatrième réunion publique ce soir. La première, on avait 60 personnes. La deuxième, on en avait 120. Et là, vous êtes plus de 300. Donc merci à tous. Merci beaucoup. La prochaine, on sera 800. Donc ça sera très bien. Donc l'élection est trop courte, on ne pourra pas en faire une autre. Pour cette soirée, je tiens à remercier la présence de deux anciens maires qui sont dans la salle. Merci d'être venus, Monsieur Paul Perwanger qui est ici. Merci Monsieur Perwanger. Et Monsieur Michel Loury qui est aussi présent. Et surtout, merci à vous tous d'être ici ce soir avec nous pour que je puisse vous présenter le Jeunesse de demain. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet en vous faisant une petite introduction sur ce que l'on prévoit, moi et mon équipe, pour Jeunesse. Pour cela, je vous pose quatre questions. Comment peut-on accepter aujourd'hui à Jeunesse de ne pas avoir le très haut débit? C'est pas possible. Comment peut-on accepter aujourd'hui que nos jeunes ne puissent pas prendre le transport en commun de Lyon après 21h30 pour rentrer sur Jeunesse, ou que nos aînés payent deux fois le tarif pour aller voir leurs petits-enfants ou aller faire leurs soins sur Lyon? C'est pas possible. Pourquoi aujourd'hui le projet éducatif local qui va avoir une conséquence sur les rythmes scolaires dès septembre n'est pas déjà organisé et que vous ne sachiez pas déjà comment vont être encadrés nos enfants dès septembre? C'est pas possible. Et enfin, plus grave aujourd'hui, quelque chose qui devient grave à Jeunesse, c'est qu'il y a une augmentation de la délinquance et de l'insécurité, des sensibilités dans notre ville. Et ça, on ne peut pas laisser faire. C'est nos quatre urgences, en fait. C'est les quatre urgences dont on vous a parlé depuis quelques temps. C'est vraiment les choses... c'est vraiment les questions qu'il faut que l'on résolve très rapidement. Pour ma part, j'aime Jeunesse, c'est une très belle ville, très agréable, dans laquelle je vis avec ma famille depuis plus de 20 ans,
Je n'accepte pas aujourd'hui de rester spectateur de cette situation. Cette situation est inacceptable. Et c'est pour cela que moi et mon équipe, nous allons nous atteler au travail dès le 24 mars pour répondre, pour vous trouver des solutions à ces quatre problèmes. Donc après les urgences, c'est les choses qui nous portent vraiment très rapidement au travail, nous avons un projet. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus ambitieux. Un projet ambitieux pour Jonas, et le projet, c'est le slogan « Ensemble, faisons rayonner Jonas ». Nous allons vous présenter dans la soirée quatre actions prévues dans le cadre de nos 6 prochaines années. Une action structurante autour du Carrefour Market, un projet sportif dont nous vous décrirons les particularités, un projet culturel de la même façon, et un projet de vie familiale. 4 projets dans le cadre de notre mandat. Tout cela sera réalisé en lien étroit avec nos partenaires de la CCEL. Jonas ne rejoindra pas la métropole. C'est avec la CCEL que nous serons un acteur de poids vis-à-vis des choix que la ville de Lyon voudrait nous imposer sur notre territoire. Enfin, pour terminer cette introduction, je laisserai la parole aussi aux gens qui travaillent avec moi avec plaisir. Nous réaliserons notre mandat dans le cadre d'un budget maîtrisé. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Mon équipe et moi avons toutes les compétences pour maîtriser des budgets, tout en réalisant des budgets ambitieux pour notre ville. Des projets ambitieux pour notre ville, excusez-moi. Et donc je vous assure qu'avec l'équipe et moi-même, nous serons à même de réaliser des projets ambitieux et rayonnants pour la ville, à la hauteur de la qualité de notre ville, bien sûr, dans des budgets maîtrisés et sans augmenter les impôts. Merci pour cette introduction. Christophe Ulrich, je fais quand même à la radio, il faut bien se rappeler du nom. Voilà, donc aujourd'hui, on a eu plusieurs réunions, et celle-ci, on voulait la dédier plus particulièrement à l'équipe. C'est pour ça que les discours sur les urgences et les projets, vous allez les avoir, mais il va y avoir 3 moments forts où on va présenter les 33 colistiers. Ne vous inquiétez pas, ça va être hyper synthétique, mais c'est très important parce que pour nous, sans faire des comparaisons, ça fait partie d'une vraie différence et c'est important que vous connaissiez ces 33 colistiers. Donc, je vous propose, là, on va présenter les 10 premiers, mais on a fait comme à l'école, par ordre, on n'a pas forcément mis l'ordre de classement. On a commencé par rapport à un numéro 10, qui n'est pas du tout un numéro d'ordre de compétence, mais à un moment donné sur la liste, il y a un ordre. On va commencer dans l'ordre décroissant. Donc, j'appelle... c'est les Césars. André Rata. Bravo. Bonsoir, donc je m'appelle Rata André, ça vient d'être dit. J'ai 64 ans, j'habite Jonas depuis 13 ans maintenant. 64 ans, mais jeune retraité, si je peux me permettre, cadre du BTP. Et donc j'ai rejoint cette équipe parce que c'est un rassemblement de compétences qui traverse toutes les tendances idéologiques. Et ces compétences, Jonas en a terriblement besoin. Et j'apporterai la mienne, ma petite compétence, au service de toute l'équipe. Voilà. Et je compte sur vous pour le 23. Merci. Donc on va dire Michel Farcy. Je reviens dans le grand voyage. Bonsoir. Donc je suis Michel Farcy, j'ai 61 ans, je suis enseignante. J'habite Jonas depuis 1989, donc ça fait quand même déjà un bail. C'est ma deuxième campagne municipale, puisque j'étais en 2008 sur la liste de Marc Masson. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe, la nouvelle équipe de rassemblement qui défend des valeurs qui nous sont chères. Et puis un projet pour Jonas, pour les Jonasiens, ambitieux, c'est vrai, mais je crois réaliste. Donc, s'il y a un changement important à partir de dimanche prochain, donc mettez le bulletin dans l'urne. Merci Michel.
Je vais commencer avec Frédéric Billon, que les sportifs connaissent. Bonsoir à tous, donc Frédéric Billon, j'ai 34 ans. J'ai deux enfants, j'habite à Genève depuis 2006. Et j'ai rejoint l'équipe Unique Montparnasse pour la qualité de son projet et surtout pour le haut débit et pour les transports. Nous allons essayer d'accélérer un peu, donc on va être plus synthétique dans la présentation, même si je ne sais pas comment on va faire, mais bon voilà, je vais donner le message. Donc, Laurence Julien. Bonsoir, alors je suis Laurence Julien, j'ai 51 ans, j'ai 4 enfants, je vis à Genas depuis 20 ans, j'essaie de ne pas parler trop vite. J'ai rejoint le groupe, parce que j'ai trouvé des gens qui, je crois, ont des valeurs humaines que je défends, que je partage et qui ont envie de travailler en équipe. Donc j'espère me joindre à eux et travailler sur les dossiers petite enfance sociale. Voilà ce qu'ils proposent. On enchaîne avec quelqu'un qu'on a vu sur le clip, qui jongle, on a appris comme ça qu'il jonglait, c'est Bruno Porchet-Guinet. Ils ne m'ont pas laissé jongler ce soir. Alors, Bruno Porchet-Guinet, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis ingénieur. J'habite à Genas depuis 2007. J'ai beaucoup œuvré et j'œuvre toujours dans les associations de parents d'élèves, au lycée et puis au collège, pardon, et puis au lycée maintenant. Et je rejoins Uni pour Genas pour travailler dans la transparence sur les dossiers de façon professionnelle et pour travailler en équipe. Voilà, c'est ce qui m'apparaît le plus important aujourd'hui. Donc là maintenant, je demande une attention toute particulière, puisque on va demander à notre doyenne, Josette Meyer, qui nous a fait l'honneur, c'est un véritable honneur de nous rejoindre. Merci, bonjour à tous. Josette Meyer, mère de famille, j'habite Genas depuis 48 ans, et j'ai œuvré surtout à la création de l'IMP. Je suis actuellement présidente de l'Âge d'Or, et j'ai travaillé sous l'égide de Madame Malbezen à faire d'animation au verger. Vous comprendrez que je suis surtout intéressée par le handicap et le bien-être des personnes âgées sur Genas. Je voudrais quand même dire merci à toute l'équipe qui m'a accueillie avec tant de chaleur au sein de leur groupe. Merci à tous. Alors, Nicolas Bell. Qui ne souriait pas sur le clip. Tu vas sourire. C'était bon. Bonsoir, Nicolas Baird, 41 ans, ingénieur en informatique et co-dirigeant de la société Simra Informatique à Genas. Je suis aussi membre de l'association Active Genas, qui regroupe les artisans et commerçants. Et je serai particulièrement intéressé pour le sujet du très haut débit et du développement économique. Merci. Donc là, on va présenter quelqu'un qui n'est pas là, mais quelqu'un qui connaît bien cette place. Voilà, donc je vais présenter en fait Erika Bernet, Erika Barge Bernet. Donc même si elle est médecin, elle ne m'a pas encore transformé. Donc je parle bien en son nom. Donc Erika, qui a 43 ans, j'étais à l'école avec elle en maternelle, donc c'est pour ça que je peux me permettre, mais c'est une amie et à la fois d'enfance et qui continue, qui a exercé pendant 13 ans à Genas en tant que médecin généraliste, et qui est passionnée par la relation aux autres et sa complexité, engagée pour promouvoir des valeurs comme le respect de la communication non violente, car c'est elle qui parle, je crois, en la perfectibilité de l'homme. Peut-être une expérience vécue. Alors, on attend une passion avec quelqu'un, un champion, hein, Eric Drevet, et qui va se présenter à son tour. Bonsoir, c'est Eric Drevet, 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Je travaille au pôle sport de la direction régionale Genas et Sport. Je suis responsable d'un club de tennis de table handisport, et également trésorier de l'ESGA tennis de table. Je souhaite travailler avec cette équipe très compétente et dès le 24 mars, j'apporterai mes compétences dans le domaine du sport
mais aussi dans le domaine de l'accessibilité, pour rendre cette commune, qui est la mienne, accessible à tous. Et là, nous allons terminer ce premier groupe avec Bernice. You can speak English or whatever you want. Malgré mon prénom qui ressemble de mère de la ville, je peux ne jamais en devenir. Ça se prononce Moya. Je suis jeunassienne depuis 23 ans maintenant. Je suis assez âgée pour faire les choses que je veux. Je suis musicienne de métier, prof de musique, prof d'anglais. Et je veux mettre mes compétences et mon expérience à la service de la ville de Genasse pour les choses éducatives et culturelles. Donc nous reviendrons avec l'équipe à un autre moment. Là, je vous donne quand même la structure de la soirée. On a eu Christophe qui a fait une synthèse, 10 premières personnes qui se sont présentées. Là, on va faire un zoom sur les urgences avec un exercice difficile puisque c'est des choses qui sont des fois moins faciles à dire avec Christian Jacquin et Jean-Baptiste Ducaté. Après, on aura de nouveau une présentation de 10 personnes et après, on laisse à nos têtes de liste le soin de parler de quelque chose de plus ambitieux et qui va dans le rythme du mandat qui seront sur le projet. Et ensuite, nous représenterons les 10 personnes. Voilà, donc place aux 4 urgences et on commence par une première qui est le très haut débit. Merci. Bon, je vais quand même vous présenter, comme ça ce sera fait. Je n'aurai pas à le faire tout à l'heure. Donc, Christian Jacquin, j'ai 44 ans, marié, 2 enfants, genassien depuis toujours, comme mon ami Aka Bernet. Donc, aujourd'hui, je suis directeur administratif et financier dans le privé et je suis maire adjoint sortant, délégué aux finances et aux ressources humaines. Donc, jusqu'au 23 mars. Mais je compte rester le 24 aussi. D'accord ? Voilà pour la petite présentation. Alors aujourd'hui, je vous parlerai rapidement du très haut débit, puisque bon, vous avez pu lire, entendre beaucoup de choses sur le très haut débit. Il faut savoir une chose, c'est que le très haut débit à Genasse, c'est possible, c'est réalisable, tant techniquement que financièrement, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité politique. Donc il s'agit juste d'une volonté politique, pas plus, pas moins. Vous pouvez entendre tout ce que vous voudrez. Moi, aujourd'hui, j'ai des études. Quand je suis arrivé à la mairie en 2008, j'ai rencontré des personnes, des études ont été faites. Ces études, je les ai, malgré ce qu'on peut lire à droite, à gauche, où on me dit ben, que ça n'existe pas, que c'est ma préoccupation du moment pour la campagne. Non, c'est ma préoccupation depuis 2008. J'ai les documents à possession. Donc, je serai à même de vous les montrer pour aujourd'hui, parce qu'on ne va pas rentrer dans la technique. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable, comme je vous le précise, financièrement et techniquement. Voilà, c'était juste pour vous apporter vraiment un éclaircissement sur ce sujet. Après, si vous avez des questions, on pourra en débattre éventuellement en fin de cérémonie ou un petit peu plus tard. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Baptiste. Merci. J'en profite juste par rapport à un point qu'on avait prévu et que j'ai oublié d'annoncer. Par rapport aux questions, c'est pas forcément facile tout le temps de poser des questions devant 300 personnes, etc. Pendant la réunion, si vous avez des questions, il est tout à fait possible d'écrire sur un petit bout de papier que vous donnerez à René, je ne sais pas où il est, qui est ici. Voilà, si vous avez une question, on la note et puis on pourra répondre derrière. Voilà, je passe le micro à Jean-Baptiste Cadet. Merci Françoise, merci Christophe, et puis merci Christian d'avoir pris ce point sur Internet. Merci à vous tous d'être là ce soir, d'être si nombreux. Ça fait chaud au cœur après avoir fait toute cette campagne. Christophe Ulrich reviendra donc tout à l'heure, on l'a dit, sur les 4 grands projets que nous avons prévus donc, pour ce mandat. Mais dès 24, vous avez compris, si on est élu, nous aurons aussi, Christophe l'a mentionné, des dossiers un peu urgents à traiter. Il y a Internet très haut débit, on l'a évoqué, je vais tomber avec ce fil. Il y a l'école, un certain nombre d'urgences, dont la réforme sur les rythmes scolaires, la sécurité et le transport.
sur l'école. On a vraiment l'ambition de faire de l'éducation une de nos priorités, mais sur l'ensemble de notre mandat. Ceci dit, dans un premier temps, on aura à gérer la réforme des rythmes scolaires. À ce jour, très peu de choses ont été prévues au niveau du contenu. Il y a eu un travail de fait au niveau des horaires qui a été demandé par l'inspection. Au niveau du contenu, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Donc, comme il faut que tout soit bouclé avant l'été, pour que ça puisse être effectif début septembre, à la rentrée, eh bien, ça ne laissera pas beaucoup de temps. Donc, dès lundi, le 24 mars, l'un des tout premiers dossiers qui sera sur notre table de travail, ça sera cette réforme, la mise en place de cette réforme. Sachez que nous avons déjà constitué l'équipe, la commission d'éducation est prête pour travailler sur ce dossier. On sera aussi à même de réaliser quelques travaux dans certaines écoles, un peu en urgence, des travaux qui attendent malheureusement depuis beaucoup trop longtemps. La sécurité. La sécurité est un sujet dont on ne parle pas à Genève. C'est un sujet un peu tabou. Aucun chiffre n'est communiqué, aucune réunion sur le sujet n'est organisée. Personnellement, en tant qu'élu, avec mes collègues ici élus, ça doit faire à peu près 3 ans qu'on n'a pas eu de réunion sur ces dossiers-là. Ça reste des dossiers nécessaires à traiter au quotidien. Tout est fait pour faire croire qu'il n'y a pas de problème à Genas. Pourtant, même si tout est relatif, hein, merci si Genas est une ville relativement calme, clairement, par rapport à beaucoup d'autres, quelques chiffres. Genas, c'est quand même 100 à 150 cambriolages par an. C'est à peu près 5 à 600 plaintes déposées en gendarmerie, à peu près 2 par jour. Et c'est pas que des chiffres. Je pense juste à la semaine qui vient de se passer. On a eu vendredi dernier une voiture qui a brûlé sur le parking derrière l'église de Genas. On a eu dans le week-end de la nuit de samedi à dimanche sur Azieux une dizaine de panneaux de circulation, des panneaux sur le bord de la route qui ont été pliés, tordus, vandalisés. On a eu dimanche matin sur le marché, il y avait une voiture brûlée qui traînait au milieu. On a eu dimanche soir des affiches électorales qui ont été dégradées avec des propos insultants qui ont été apposés, qu'il s'agisse d'ailleurs du candidat de l'Uni pour Genas ou des affiches du maire sortant, sans parler des commerces qui font régulièrement la cible d'attaque encore en début de semaine, dont je ne citerai pas le nom, mais d'un commerçant qui a eu sa porte vandalisée. La sécurité est un sujet qu'il faut traiter. Il faut le traiter bien sûr avec calme, avec sérénité, mais sans faire l'autruche. En lien avec la gendarmerie, qu'on a été voir plusieurs fois, avec aussi un certain nombre d'acteurs qui sont concernés, on développera, nous, le triptyque prévention, élucidation, répression. On renforcera, si besoin, les effectifs de la police municipale, mais enfin, avant de les renforcer, on fera surtout en sorte que les postes qui sont aujourd'hui ouverts dans cette équipe soient pourvus. Juste pour vous dire que ça fait 5 ou 6 mois que le chef de la police municipale donc, est parti, il est parti sur Villeurbanne. Il n'est toujours pas remplacé. C'est juste pour donner une idée, début janvier, alors que sur Genas, on a 8 postes ouverts, il y avait 3 personnes sur le terrain. On mettra en place aussi un certain nombre d'actions, notamment les OTV, l'opération tranquillité et vacances, au niveau des cambriolages pendant les vacances. On mettra aussi en place ce qu'on appelle un CLS-PD, c'est un petit peu compliqué, donc ça veut dire contrat local de sécurité et de prévention. Ça existe sur beaucoup d'autres villes, sur Chassieux, on va aller chercher très loin, et qui est un lieu où peuvent s'échanger des informations entre l'ensemble des acteurs concernés. On étudiera aussi avec les commerçants et les associations de riverains les possibilités qu'offre la télésurveillance et la vidéoprotection. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est un sujet que je connais très très bien. La sécurité, c'est un sujet sérieux, où il faut rester très humble. On n'est pas à l'abri de ce qui se passe, mais vous pouvez compter sur moi pour que, dès que le 24 mars, on sera élu, notre équipe, sur ce terrain-là, ne sera pas aux abonnés absents.
Le transport. Le transport, c'est un vaste sujet. Bien sûr, l'ensemble des déplacements urbains, que ce soit avec la voiture, que ce soit les problématiques de stationnement, que ce soit tout ce qui est déplacement en mode doux, les piétons, les cyclistes, que ce soit, bien sûr, les transports en commun, seront un sujet de préoccupation de notre équipe tout au long du mandat. On reviendra sur ce sujet beaucoup plus longuement plus tard, mais on a à traiter de façon beaucoup plus urgente, dès 2014, une situation qui est le transport en commun. En effet, sur ce sujet-là, tout ce qui a été fait depuis un an est remis à plat, on repart à zéro. En effet, le département, c'était dans la presse, c'était dans le progrès, a décidé, entre guillemets, de jeter l'éponge. Donc c'est le département aujourd'hui qui gère les deux lignes qui ont été installées le 21 et le 24. Le département jette l'éponge, redonne le bébé donc au Citral, ce qui fait que le 1er janvier 2015, on aura un choix à faire, qui est soit de réintégrer le Citral, soit de gérer notre transport tout seul, petite commune de Genèse. Si on est élu, notre choix il est clair, ce sera de réintégrer le Citral, et que ça soit aussi très clair, le fait de réintégrer le Citral ne veut pas du tout dire qu'on réintègre le Grand Lyon. Et je vais même plus loin, à partir du moment où le département donne tout son transport au Citral, de toute façon le Citral va avoir à gérer l'ensemble du transport sur l'ensemble du département. Donc dire aujourd'hui qu'adhérer au Citral, c'est adhérer à la métropole, ça voudrait dire que tout le département adhère à la métropole. Donc c'est évidemment un non-sens. Adhérer au Citral sera notre choix. Gérer le transport tout seul dans notre petit coin n'a aucun sens. Plus de 80% des Genassiens aujourd'hui se déplacent vers le Grand Lyon. Et plus de 80% des gens qui travaillent aujourd'hui dans notre zone industrielle viennent du Grand Lyon. On a besoin d'un transport en commun avec un maillage fin avec le Grand Lyon. Ceci dit, il va falloir négocier. Parce que une fois que tout est remis à plat, et bien il faut se remettre autour des tables de négociation. J'ai eu le Citral pas plus tard qu'il y a 2 heures. Je voulais savoir si, par rapport à ce que je vous disais de bêtises, entre guillemets. Donc, ce que nous avons demandé au Citral, parce que cette histoire de reprendre le transport au département, c'est quelque chose qui est connu depuis 3 ou 4 mois déjà. Donc, ce qu'on a déjà demandé depuis 3 ou 4 mois au Citral aujourd'hui, c'est une ligne équivalente à peu près à ce qui existe avec le 21 ou ce qui existait avant avec le 68 qui aille de la Soie, travers Genasse et va jusqu'à Méziers. On veut une amélioration de la fréquence. Un bus tous les 10 minutes le matin en heure de pointe et le soir 15 minutes en heure creuse. C'est quelque chose sur lequel le Citral a donné son accord aujourd'hui. Une amélioration de la plage horaire avec un bus le matin à partir de 5h30 et jusqu'à 23h. Ça se négocie encore un peu. Et puis, ça c'était pour la première ligne. Et puis à côté, faire une deuxième ligne qui est un peu, entre guillemets, similaire au 44 d'aujourd'hui, sauf qu'il commencerait à Eurexpo et il irait jusqu'à Saint-Exupéry en traversant donc toute la zone industrielle, puis le centre de Genasse pour aller sur Saint-Exupéry. C'est quelque chose qui est demandé aussi par Eurexpo. Donc c'est pas quelque chose du tout d'impossible. Adhérer au Citral, ça permettra de revenir à une tarification unique pour tout le monde. C'est votre petit ticket TCL qui vous permettra de vous déplacer aussi bien sur Genasse que sur le Grand Lyon. Et ça vous permettra aussi, comme c'est un ticket TCL, de bénéficier de tous les avantages sociaux aujourd'hui mis en place par le Citral, c'est-à-dire aussi bien les prix pour étudiants, que les prix pour les personnes plus âgées, que pour les handicapés. Voilà. On demandera aussi, ça pour le coup, j'ai clairement pas encore l'accord, une navette le samedi soir qui irait directement de Bellecourt jusque Genasse à des heures très tardives pour certains de nos jeunes qui sortent et qui, voilà, je pense que c'est une question de sécurité, qu'ils n'aient pas à reprendre la voiture en n'étant pas toujours à jeun. Voilà. Sachez donc que, j'allais dire, dès le 24,
on prendra contact donc avec le Citral, sauf que c'est faux. C'est nous avons déjà pris contact avec le Citral et nous sommes aujourd'hui en ordre de marche pour traiter cette question importante du transport en commun. J'en ai fini avec les points d'urgence, mais ce n'était pas prévu, j'en rajoute un. Tout le monde dit tout le temps, mais pas trop, désolé. J'aimerais aborder un quatrième point qu'on n'avait pas prévu, c'est que, au cours de cette campagne, on a rencontré beaucoup de monde, c'est toujours le charme de ces campagnes, on a discuté, on a échangé avec beaucoup d'entre vous, et il y a un point qui est ressorti régulièrement et de façon lancinante. C'est le manque d'écoute de la municipalité sortante. Combien de personnes nous ont dit on a envoyé un courrier, on n'a pas de réponse? Combien de personnes nous ont dit on a demandé un rendez-vous, on attend toujours? Combien de personnes nous ont dit on appelle à la mairie et puis personne ne sait répondre? Et on nous dit oui, bah écoutez, désolé, on ne sait pas, mais on va regarder, on va vous rappeler. Et personne ne vous rappelle. Notre projet, ce sera aussi de redonner de l'écoute à la population. Dès notre élection, on mettra en place une organisation, et alors vous pouvez faire confiance aux, entre guillemets, chefs d'entreprise que nous sommes. Quelque part, la gestion client, c'est notre métier. Imaginez un client qui appelle une entreprise, et on ne rappelle pas le client. Dès notre élection, on mettra en place une organisation afin que plus une seule demande, que ce soit courrier, mail, téléphone, tout ce que vous voulez, ne reste sans réponse et que ces demandes viennent de n'importe qui, que ce soit d'un particulier, d'un commerçant, d'un artisan, d'un agriculteur, d'une entreprise. On s'engage à ce qu'une première réponse soit apportée sous 10 jours. On s'engage à donner des réponses concrètes, que ce soit oui ou non. On s'engage sur les points, il y a des fois des questions un peu compliquées, un peu lourdes, à mettre en place sur ces questions-là une gestion de projet avec un suivi dans le temps de ces demandes. Et on s'engage surtout, en fait, à vous écouter. Car vous l'avez compris, tout projet, tout travail qu'on a fait, et c'est notre souhait le plus cher, c'est que pendant notre mandat, notre objectif numéro un, ça sera travailler à l'amélioration du service aux habitants de Genas. Et c'est de faire de Genas une ville qui continue d'être celle qu'on aime tant. Le 23, on compte sur vous. On prend tout ce que nous avons. Voilà, on sait très bien, ça me permet juste de résumer. Internet, école, sécurité, transport et écoute. Voilà, et avec des choses qui ne sont pas des mots, on voit, il y a du travail, il y a des dossiers qui sont sous le coude, qui ne demandent qu'à aller sur les rails. Donc là, je vous propose d'enchaîner avec le deuxième groupe, mais on va changer. On va déjà les faire venir tous derrière moi, déjà je serai moi seul. En plus, ils seront debout. Donc j'appelle Bruno Vieilles, j'ai avec un accent. Je suis là. Anglaise, Christophe Arbonnier. François Audin, là c'est tous les nominés, on va voir. Yann Bellegui, notre junior. Laurence Téblon. Rafina Casse. Shadia Moustahi. Bernard Bastet. Christine Morancier. Christian Jacolino. Et Nathalie Tria. J'ai triché, il y en a 12, mais bon, en fait il y a 32 colistiers plus Christophe, donc je ne peux pas faire 3 fois. Voilà, donc on va commencer avec Bruno Guéigi. Bonjour, moi c'est Bruno Guéigi, parce que c'est compliqué, mais voilà. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants qui font de l'école maternelle au collège jusqu'au lycée. Et donc moi je suis principal, j'ai rejoint le groupe Uni pour Jeunesse, ça fait déjà plus d'un an en fait. Et moi, ma préoccupation première, ça sera tout ce qui concernera le développement durable et dans la gestion des projets. Voilà. C'est vraiment très bien parce que c'est vrai que le développement durable, quand on parle, c'est une ligne conductrice. C'est pour ça que vous ne voyez pas apparaître ni dans les actions urgentes, ni dans les projets. Mais quand on parle, par exemple, pollution, transport, etc.,
c'est toujours en lien. Donc c'est bien que tu aies dit de ce mot-clé. Anne-Glaise. Bonsoir, donc, je me présente Anne-Glaise, j'ai 45 ans, deux enfants, je suis mariée. J'habite Genas depuis plus de 10 ans. Après avoir œuvré dans l'associatif, j'ai rejoint donc Unico Genas et j'aspire à contribuer au développement économique de la commune. Et là, on voit qu'on a une équipe parce qu'il y a des mots-clés qui n'étaient pas encore sortis, mais je pense qu'on les réservait pour Christophe. Alors, maintenant, Christophe Arbonnier. Donc, bonsoir, moi je suis Christophe Arbonnier, 49 ans. Donc, je suis ingénieur dans une entreprise nationale de transport d'électricité. Je suis genassien depuis 17 ans, marié. Trois enfants. Donc, j'ai investi beaucoup de temps dans les associations de parents d'élèves et plus précisément l'amicale laïque, Joli Colon. Et dès le 24, avec l'équipe, je souhaite m'investir dans l'aménagement de la ville et les travaux, suivi des travaux. François Zobin, qui adore les micros, qui adore, donc faites l'innovation, elle est super. Depuis 18 ans. Je suis à la retraite depuis 2 ans. J'étais chef de service d'un handicap mental dans les foyers de Bois-en-Main. Très investie avec un immense plaisir dans le tennis club de Genas. Très investie dans les écoles primaires pour l'aide aux devoirs. Et je suis persuadée que notre équipe, avec Christophe, avec la démocratie et la compétence, peut apporter du mieux dans notre vivre ensemble à tous. Alors là, maintenant, on a c'est notre junior, qui n'est plus du tout junior, mais que je laisse se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Yann Delby, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en deuxième année d'un BTS Assistant Manager que je réalise en alternance dans un cabinet d'avocats. J'ai été membre durant 3 ans donc, du CMJ, le Conseil Municipal des Jeunes, dont 1 an en tant que maire adjoint. Et donc j'aurai à cœur de travailler sur le dossier des transports et d'avoir un rôle de relais auprès des jeunes. Merci. Merci. Alors maintenant, Laurent Stévenon, que vous aviez peut-être déjà entendu lors de la dernière réunion. Bonsoir, donc Laurent Stévenon, avec mon nom de jeune fille Azoulay sur la liste. Donc 36 ans, donc j'habite à Genas depuis 2006. Je fais partie d'une association de parents d'élèves sur Anne-Franck et j'aurais aussi bien à cœur de continuer à travailler sur les questions des projets éducatifs, culturels en particulier. Voilà. Maintenant, Rafi aussi, qu'on avait vu sur le sport lors de la dernière réunion. Pour ceux qui ont loupé la dernière réunion et qui ont le très haut débit chez eux, tout est sur YouTube et sur notre site, donc vous pouvez revisionner ces films. Donc, bonsoir à tous, Rafi Nakas, j'ai 35 ans, enseignant d'éducation physique et actuellement dans la recherche. Alors moi j'ai rejoint l'équipe Unie pour Genas pour son esprit de rassemblement, au-delà des clivages politiques. Et je suis content de travailler dans une équipe où les compétences sont très importantes et ça me fait plaisir d'être avec vous. Voilà. Donc Shadia, alors là, pour, il y a à peine 3 jours, vous l'avez vu dans le clip, elle dansait, comme quoi, on est à l'abri de rien. Mais Donc bonsoir à tous, donc, je m'appelle Shadia Moustaïd, j'ai 37 ans, donc j'ai 2 enfants. Donc genassienne de naissance, donc je suis vice-présidente de l'association des parents d'élèves à l'école Anne-Franck, ainsi que membre actif de la GAF. Je suis aussi entraîneur de hand, donc dont 20 ans de pratique à ce sport, et je m'engagerai à 100% sur le projet éducatif. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, Bernard Bastet. Bonsoir, monsieur dames. Moi, Bernard Bastet, 65 ans, retraité, contrôleur de gestion en retraite dans le domaine du VTP. Je m'investirai tout particulièrement au sein de la CCEM afin de pouvoir influer sur le renforcement de sa représentation, notamment vis-à-vis de la métropole. Merci. Nous allons enchaîner avec Christine Morancé. Bonsoir, je me nomme Christine Morancé, mariée, 2 enfants. J'exerce la profession de douanière à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Depuis mon arrivée sur Jonas, je me suis investie dans diverses associations, sous des écoles, parents d'élèves en primaire, collège et lycée, ainsi que l'association de handball, ESG Handball. Avec le concours de l'écolissier, je pense, j'essaierai de m'occuper des commerces de proximité et puis apporter mon aide aux associations. Merci, bonne soirée. Merci Christine. Donc on enchaîne maintenant avec Christian Jacolino. Bonsoir, donc Christian Jacolino, j'ai 65 ans, je suis marié, deux enfants, j'habite à Zieux depuis 25 ans. J'ai été conseiller municipal et conseiller communautaire suppléant depuis 2010. Et quand vous aurez élu, je m'investirai dans la CCL. Merci Christian. En fait, tu t'investis déjà dans la CCL, donc ça sera une continuité. Nathalie Tria, je ne sais même pas si on la présente. Bonsoir, donc Nathalie Tria, 45 ans, 4 enfants, à Vuret depuis plus de 22 ans, et présidente de la GRS depuis 3 ans, mais au club depuis plusieurs années. Voilà, donc moi je travaillerai dès le 24 plutôt sur la promotion du sport et du lien intergénérationnel. Voilà, et bien merci bien, on va demander au groupe donc, de rejoindre leur place. Et alors, voilà, donc Jean-Baptiste et Christian ont parlé des urgences. Et là, je vais donner le micro à Christophe qui va nous parler des projets. Merci Françoise. Merci à tous. Merci à tous de vous être présentés. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation plus précise des urgences. Merci à Christian pour le haut débit. Donc, ça va être plus ludique pour moi, puisque je vais parler des projets. Donc, c'est des choses plus sympathiques que les urgences. Les urgences, il faut traiter des problèmes. Les projets, c'est des choses qu'on va faire dans notre mandat. Donc, comme je vous le disais, notre slogan, c'est « Ensemble, faisons rayonner Jonas ». Pour rayonner, nous avons 4 actions que nous allons réaliser pendant les 6 années. La première, comme je vous le disais, une action structurante autour de Carrefour Market. Aujourd'hui, nous avons une zone intéressante à structurer qui est la zone où vous avez le Carrefour Market. Et aujourd'hui, ce projet n'avance pas. Le PLU n'a pas été révisé. Carrefour Market devait être restructuré pendant le mandat et aujourd'hui, on n'a aucune info. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de reprendre les discussions avec les 3 parties prenantes dès le 24. Carrefour, la mairie et le propriétaire. D'intégrer toutes les contraintes sur cette zone. Donc vous voyez que c'est une zone assez large où il y a une école, il y aura un centre commercial et puis c'est au passage de la rue principale de Jonas. Il va y avoir de la circulation, il va y avoir des parkings, il faut gérer tout ça en intégrant toutes les contraintes. Et lancer une étude globale qui intègre les objectifs de chaque partenaire, c'est-à-dire pour la ville. Comme vous le disait Jean-Baptiste, il va falloir qu'on refasse le PLU en intégrant un plan de déplacement urbain global, en cohérence avec les commerces, le stationnement, la circulation, avec une école à proximité, avec une liaison de Carrefour Market pour rejoindre la place de la République. Donc il faudra structurer la ville avec cette infrastructure en liaison avec la place de la République et les commerçants pour qu'il y ait une dynamique globale sur notre ville avec ces deux points clés. Ça, c'est pour la ville, c'est les objectifs de la ville. Pour Carrefour, l'objectif, c'est une augmentation de la fréquentation et par conséquent, une augmentation de son chiffre d'affaires. Et puis pour le propriétaire terrien, c'est une valorisation optimale de son patrimoine. Donc en discutant à 3 et en mettant toutes ces choses sur la table, on souhaite reconstruire un projet structurant pour Jonas autour de Carrefour Market. Donc c'est la première action que nous allons démarrer très rapidement. Dès le 24, c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps et on peut plus attendre. Le deuxième projet, c'est un projet sportif. Donc nous avons travaillé, nous sommes allés écouter des sportifs à Jonas, nous avons regardé comment Jonas évoluait au niveau sportif. Et donc nous allons prendre en compte, nous avons pris en compte le projet éducatif local par rapport au jeu pour l'aspect sportif. Intégrer cette démarche avec le dôme des associations, bien sûr, qui est un outil intéressant et vraiment à pérenniser. Et puis, considérer toutes les demandes des jeunassiens. Et aujourd'hui,
ce projet sportif, il sort avec trois actions que nous allons mener. Réaliser déjà des cours de tennis couvert, une priorité, donc ce sera un des premiers projets au niveau sportif que nous allons réaliser sur Jeunesse. Le deuxième sera de réaliser un boulodrome. Il y a plusieurs centaines d'adhérents au boule, avec en plus des cours qui sont faits pour les jeunes sur Jeunesse avec les écoles. Donc on veut pérenniser cette action et puis la promotionner. Et donc ce sera un boulodrome. Et dans le mandat, nous allons réaliser une nouvelle arène des sports. Donc sur toute la durée du mandat, nous allons regarder les demandes de tous les différents sports par rapport aux salles et réaliser une nouvelle arène des sports. C'était le deuxième projet, donc le Carrefour Marquet, un projet sportif. Un projet culturel. Donc un projet culturel, nous constatons aujourd'hui qu'à Jeunesse, nous avons une petite salle de spectacle, c'est le Neutrino, qui est une salle qui est très bien, mais qui est petite, qui ne permet pas de développer la culture à la dimension de notre ville, qui compte aujourd'hui 12 000 habitants. Donc l'idée que nous avons eue, et après avoir écouté vos demandes, on a constaté qu'une salle de spectacle de 350 personnes serait un objectif intéressant. Donc nous allons réaliser une salle de spectacle de 350 personnes, mais l'objectif c'est pas de faire une salle. L'objectif c'est d'intégrer cette salle dans le cadre d'un projet. Et ce projet sera de réintégrer autour de cette salle les associations culturelles avec, en priorité bien sûr, l'école de musique, qui est une très très belle école. Nous avons une école de musique, une des plus intéressantes de la région, voire de Lyon, à Jeunesse. Donc réintégrer l'école de musique autour de cette salle de spectacle et associer cette infrastructure avec d'autres associations culturelles, à vocation culturelle, qui seraient par exemple des associations de confection de costumes, des associations de théâtre, des associations de mise en scène, des associations éventuellement de danse ou en liaison avec une relation avec la Biennale de la danse qui a lieu sur Lyon. Donc ce serait vraiment un projet culturel autour de cette salle. Elle pourra aussi servir, cette salle, à autre chose. Elle pourra servir à répondre à une demande qui n'est pas couverte aujourd'hui pour les industriels, une demande de séminaire. Aujourd'hui, notre ville est riche grâce aux entreprises. Et ces entreprises, de temps en temps, cherchent des lieux pour faire des séminaires. Et cette salle pourrait être le lieu que l'on pourrait proposer aux entreprises pour faire des séminaires, avec des salles à côté pour faire des cocktails quand ils reçoivent soit leurs salariés, soit leurs clients. Et en fait, cette deuxième utilisation de la salle pourrait avoir des retombées économiques sur Jeunesse, sur les restaurants, sur les commerces qui seraient à proximité. Donc, structurant pour la ville Carrefour Marquet, un projet sportif, un projet culturel. Et puis un dernier projet, qui me tient à cœur, c'est un projet d'une guinguette à matin. Ça, c'est moi. Donc, on a une ville qui est très très agréable, c'est une ville où les gens vivent, se côtoient, discutent. Et aujourd'hui, il nous manque un lieu de vie où on peut se rassembler un après-midi, quand on n'a rien à faire, quand on n'a pas programmé ce complexe, un cours de gym ou un cinéma, où on peut sortir avec les enfants, où les grands-parents peuvent emmener leurs petits-enfants, où on peut se retrouver à plusieurs. Donc j'envisage de faire une guinguette à matin. C'est un endroit intergénérationnel, en extérieur. Aujourd'hui, on est très très lié avec des ordinateurs, avec plein d'écrans. Donc en extérieur, pour retrouver les gens, pour pouvoir discuter. Et se retrouver en extérieur pour pouvoir faire soit jouer aux cartes, soit discuter, soit faire des tournois, des cours de cerf-volant, de la lecture en extérieur, en associant à ça la réhabilitation du haut du fort de Jeunesse. Donc le fort de Jeunesse, le fort de Matan, au même endroit. Donc réhabiliter le haut du fort de Matan, qui est une zone intéressante, qui aujourd'hui n'est pas utilisée. Donc ces quatre actions sont les grands dossiers, mais nous réaliserons aussi, donc c'est les grands dossiers que nous réaliserons pendant le mandat, pendant les 6 ans. Ça va déjà nous demander du travail, beaucoup. Ces quatre actions sont des grands dossiers, mais nous avons d'autres idées à réaliser, mais ça va dépendre du budget. Parce que dans la commune, c'est quand même important, c'est le budget. Ça va dépendre du budget disponible restant après avoir budgétisé tous ces projets. Et en parlant de budget, nous aurons une attention toute particulière sur la vie économique de Jeunesse. Donc comme disait Anne, nous avons donc notre argent arrive des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des industriels. Et donc nous aurons un adjoint au développement économique, ce qui n'est pas actuellement le cas dans la commune. Donc il y aura un adjoint dédié
à la vie économique et à répondre aux questions économiques de toutes les parties prenantes économiques, commerçants, artisans, industriels et commerçants. J'ai fait un défi pour les projets. Tout cela, bien sûr, sera réalisé dans le cadre d'une étroite collaboration avec la CCEL. Donc, comme vous l'avez compris, comme Jean-Baptiste l'a dit, comme je l'ai redit, la CCEL, ce sera l'outil qui nous permettra de faire rayonner Jeunas. Aujourd'hui, Jeunas sans la CCEL, c'est pas important, ça marchera pas. On sera trop petit, on sera pressé de toutes parts. La CCEL, ce sera l'outil qui nous fera entendre de toutes les grandes institutions. Et avec la CCEL, on construira vraiment des projets conséquents. Et quand on aura des possibilités de mutualisation, pour ne pas dépenser deux fois de l'argent sur différentes communes, on essayera de mutualiser les ressources avec la CCEL. J'en ai fini avec les projets. C'est les grandes lignes de nos projets. Aujourd'hui, on n'est pas encore aux affaires, on ne peut pas faire des dossiers, on n'a pas des services techniques qui peuvent nous réaliser des dossiers très très techniques, mais nous avons des belles idées, des bonnes idées, des idées crédibles. Comme le disait Jean-Baptiste, on est chef d'entreprise, enfin, on a tous des responsabilités, on sait ce que c'est que faire des projets, on sait ce que c'est que gérer un budget dans un délai. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Vous pouvez compter sur nous pour réaliser ce projet. S'il vous fait plaisir, il faut voter le 23. Et on fera le 24. Merci beaucoup. J'en profite aussi sur quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est juste pour faire une petite démonstration de notre énergie et de nos vraies compétences pour mener à bien des projets. Alors, ils sont en train de me regarder, mais qu'est-ce qu'elle va dire? On ne peut pas checker tout ça. Non. René et moi-même, en fait, on s'est occupé depuis, disons, juillet dernier, de la communication, et avec des tout petits budgets de campagne, puisque c'est très limité, on a pu, en peu de temps, faire une page Facebook, faire un site internet, faire des tracks, etc., dans des budgets qui sont, moi, vraiment, on peut dire, j'ose pas, mais 4 à 5 fois moins élevés que ce qui existe actuellement. Hein, donc, c'est tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, aussi en termes de compétences, parce que c'est aussi notre métier, etc., mener des projets, que ce soit dans l'urbanisme, personnellement, moi je suis dans l'informatique, etc., c'est des choses qu'on fait tous les jours, et c'est des compétences qu'on a envie de partager avec les Jeunassiens. Et tous pendant la campagne, moi la première, j'espère que mes patrons ne regarderont pas, on a mis un peu de côté aussi notre investissement pour donner plus à Jeunas. C'est pas quelque chose qu'on veut, on n'a pas envie que ça s'arrête le 23, notre objectif c'est de le faire aussi après. Et je parle pour l'entreprise, mais aussi pour les présidents d'associations qui ont eu, et c'est tout à leur honneur, n'ont jamais indiqué, n'ont jamais revendiqué leur position de président pour nous rejoindre, mais simplement eux-mêmes en tant que personne. Et bien eux aussi, c'est des personnes qui sont investies et qui demain font certainement le choix entre et ben moi je préfère bosser pour tous les Jeunassiens plutôt que d'être à la tête de mon association. C'est un peu pour vous prouver que voilà, c'est pas que des mots, on a une vraie envie d'aller plus loin et on se sent fort pour ça. Et par contre là maintenant on est un peu tout seul, c'est le 19 mars et voilà, les seules personnes qui peuvent faire changer les choses c'est vous les électeurs. Voilà. On va enchaîner avec la liste, alors je ne sais plus le nom, mais on va dire les 10 derniers, qui sont les 10 premiers de la liste en fait. Hein. Voilà. C'est un plaisir d'avoir un bon choix. C'est une liste d'avoir. Donc, Daniel Beck, Christine Dumont-Mirabito, Philippe Gonzalez, René Chabou, Bernard Lejac, Brigitte Jouan, Christian Jacquin qui s'est déjà présenté, mais qui se représentera. François Asperger, ma maman, c'est moi, c'est moi. Jean-Baptiste Ducadet, Valérie Gallet, qui sera présenté, vu qu'elle ne va pas être avec nous, et Christophe Urich. Donc on va commencer avec Daniel Beck. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Daniel Beck, j'ai 65 ans, je suis retraité. J'étais responsable commercial et ingénieur commercial. Donc j'habite Jeunas depuis 2000. J'ai 4 enfants, marié 4 enfants. Donc je m'occupe donc de l'association Agis également. Je voudrais simplement vous dire qu'au sein de cette équipe dynamique, je voudrais m'occuper des transports
Et puis j'étais précédemment sur la ligne de René Quiz. Donc pensez à nous, 23. Merci. Christine Guinan-Mirabito. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Christine Guinan-Mirabito, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis habitante de Genasse depuis 1997. J'ai beaucoup œuvré dans les associations liées à la petite enfance et en tant que chef d'établissement actuellement dans l'éducation nationale, j'aurai à cœur, en rejoignant l'équipe dynamique et compétente qui est autour de Christophe, d'œuvrer pour le rayonnement de la culture et de l'éducation. Merci. Philippe Gonzalez. Bonsoir. Je suis Philippe Gonzalez, j'ai 55 ans, je suis marié, nous avons 3 enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai créé en 91 la troupe de théâtre Grain-de-Seine et ça fait 14 ans que je suis président de l'école de musique. Voilà. J'ai l'habitude et l'expérience d'imaginer, de concevoir et de mener à bien des projets culturels. Et le projet culturel que présente la ville, la liste Unie pour Genasse, c'est un projet ambitieux et très innovant. Et j'ai à cœur et je le réalise.